Bonsoir, le flash de ce mercredi. L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement dans la loi de l'emploi pour insérer la manière dont le paiement du 13e mois de salaire sera effectué pour cette année. Ce projet de loi a été présenté par la ministre du Travail et des Affaires sociales, Patricia Franco. Avant d'aborder l'amendement, la ministre a fait remarquer que le gouvernement a annoncé en septembre de l'an dernier que le 13e mois salaire sera basé entièrement sur la performance et rentrera en vigueur l'an prochain. Pour cette année, un 13e mois de salaire, 50% du salaire de base d'un travailleur est garanti et l'autre 50% sera basé sur la performance sans réduction du taxe sur le paiement. À l'occasion de la journée dédiée aux enseignants aujourd'hui, le président Wivam Kalawan et le parti United Seychelles se joignent au reste du monde pour rendre hommage aux enseignants pour leur travail dur dans l'intérêt de la formation de notre prochaine génération d'enfants. Dans son message de l'occasion, le président Wivam Kalawan nous rappelle le thème qu'a choisi cette année UNESCO, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Ce thème, dit-il, qui montre à quel point nos enseignants ont bravé les effets de la pandémie du COVID-19 dans les écoles et dans toutes les facettes de leur vie. Cette transformation en elle-même est témoignage des engagements et du travail des enseignants. Le président a dit que le gouvernement a accordé top priorité à l'éducation et à la modernisation du système éducatif. Son espoir est que tous les enseignants bénéficient de ces initiatives. Le parti United Seychelles, de son côté, se dit fier de nos enseignants et célèbre leurs accomplissements et leurs contributions vers l'éducation de nos futures générations. Un appel est lancé au gouvernement pour la mise en place des politiques solides qui offrent de l'espoir et des opportunités égales à nos enfants en dépit de leurs milieux familiaux. L'Union européenne invite les sociétés civiles à développer des projets durables qui assisteront à améliorer les actions climatiques du pays, la bonne gouvernance et les questions d'égalité de sexe. 311 000 euros, qui correspondent un peu plus de 4 millions de roupies, ont été budgétés pour financer ces projets. Lors d'une rencontre, les représentants de la société civile ont pu se familiariser avec les procédures et critères en place permettant de faire une demande et de qualifier pour les subventions. L'ambassadeur de l'Union européenne aux Seychelles, Vincent Degère, a dit que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne travaille avec des sociétés civiles pour développer des projets qui assisteront à amélioration du pays. Tout le monde reconnaît l'importance de combattre ce dérèglement climatique que l'on vit aujourd'hui. Ici, il y a eu le feu de nouveau à Providence, donc les décharges qui brûlent. Donc ça fait vraiment partie des priorités essentielles qu'il faut adresser. La deuxième priorité, c'est la gouvernance. Si on veut une démocratie qui fonctionne correctement, si on veut des débats dans la société qui sont essentiels pour avoir une société inclusive, eh bien il faut adresser des questions comme l'accès à l'information, la transparence, le fonctionnement du Parlement, toutes ces questions-là. La troisième priorité, ça va concerner les droits humains en général, notamment la question du droit des femmes. Toutes ces priorités sont là et je crois que c'est les priorités d'aujourd'hui, des priorités auxquelles les sociétés internationales, la société seychelloise est confrontée. Et donc c'est important pour essayer d'apporter des solutions concrètes. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.